Toute cette affaire commence le lundi 30 juin 1969 à 9h du matin. Le premier témoin étant le fonctionnaire des PTT Joseph Franks, facteur de la Marolle, mieux connu dans le quartier sous le nom de Jeffke. Depuis 47, vraiment, le quartier de la Marolle. Ouais. Mais vraiment, le quartier, proprement dit, il y a maintenant, depuis 32, ça fait 37 ans. Vous connaissez tout le monde, hein? Ah, oui. C'est comme je vous ai dit là tantôt, je suis né par ici, j'ai de la famille, je connais tout le monde. Moi, c'est, les gens de mon âge étaient à l'école. Je connais tout le monde, et surtout maintenant, avec la correspondance, surtout. Hein. Et si on rase tout ça pour mettre du béton, vous n'aurez plus de lettres à porter? Ben oui, j'aurais peut-être encore une autre tournée, mais j'aimerais beaucoup mieux rester ici. Je suis habitué. Hein. À mon âge, maintenant, les changer de tournée, il y a de nouveau réapprendre tous les gens et toutes leurs habitudes. Tout. Tandis qu'ici, moi, je sais comment je dois me tenir avec certaines personnes. Hein. Avec une, je dois être comme ça. Enfin, c'est le métier, quoi, être poli avec eux pour être le plus, faire le plus serviable. Hein. Parce que c'est pour ça qu'on travaille le mieux. Hein. Mais changer de tournée, ça ne m'irait pas beaucoup. Ouais. Les architectes disent que les gens vivent mal ici, qu'ils sont mal logés, qu'ils sont malheureux. Oh non, il y a certaines personnes, il y a toujours des malheureux dans n'importe quel quartier. Mais par exemple, ici, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, ils tirent leur plan. Et moi, je connais certaines personnes, quand vous rentrez chez eux, on ne dirait pas qu'on est au quartier de la Marolle, hein, qu'on est vraiment chez des bourgeois, tellement qu'ils sont propres. Je ne dis pas longtemps avant 14, mais maintenant ici, il y a peut-être encore des maisons qui les a désirées, mais pas tellement. Moi, je veux parier, on appelle des taudis ici. Si on trouve un taudis sur 20 maisons, c'est beaucoup. Un taudis sur 20 maisons, c'est beaucoup. Tout le restant, c'est encore. Ouais. Toutes les maisons n'ont pas de salle de bain. Ça, c'est la seule critique qu'on leur sait faire. Puis, il n'y en a pas beaucoup ici avec salle ça de bain. Ça n'empêche pas de bien vivre. Ah oh, non, et au contraire, ils sont bien propres, les gens. Parce que, regardez-moi, en hiver, moi, je ne me gêne pas quand on m'invite à boire une tasse de café quand il fait bien froid. Ben, moi, je ne me gêne pas de. Les gens sont propres. Je bois aussi bien une tasse de café chez eux que chez moi. Et puis ils se parlent entre eux, ils se connaissent bien. Eh bien, et alors ici vous êtes en famille. Je ne sais, c'est tout un autre quartier. J'ai fait plusieurs quartiers avant, en service général ou après quand je suis revenu de la guerre. Mais ici, je ne sais pas, je me plais bien ici. C'est comme un village un peu. Mais oui, et alors je dois surtout vous dire, je dis encore, j'ai de la famille ici. J'ai de la famille, j'ai des connaissances, j'étais à l'école. Il y a maintenant des ménages de 30 ans que j'ai vu venir au monde, moi, qui ont maintenant eux-mêmes des enfants et tout. Hein. Alors, moi, c'est. D'ailleurs, on me dit jamais facteur sur moi. Quand on me voit, c'est Jeffke. Hein? C'est depuis des années que c'est comme ça. Hein? Et pourtant, je ne suis pas maigre pour dire Jeffke sur moi. Hein? Non. Ah, ouais. En vous général, étiez peut-être maigre il y a 30 ans quand vous avez commencé. Non, j'ai toujours été comme ça. Toujours à partir de mes 25 ans. Quoi, alors. J'ai toujours été grand comme ça. Vous laissez continuer votre tournée, hein, Jeffke. Allez, au revoir, monsieur. Donc, ce lundi-là, en une saison où sa cargaison est normalement composée de cartes postales en provenance de Blankenberg, Jeffke dépose, chez les propriétaires de trois blocs de maisons de la Marolle, une liasse de lettres aussi officielles que péremptoires. Le quartier sera rasé pour faire place à des extensions du palais de justice. C'est l'ultimatum. Ils étaient tout à fait perdus. Hein. Il y avait des gens qui croyaient déjà qu'ils devaient partir avant la nouvelle année. Puis ils se sont mis ensemble pour. Je sais pas moi, il y a des bonhommes qui ont beaucoup d'argent ici à la Marolle, hein, ouais. Qui enfin, à cause de leur travail. Ouais. Tous les gens qui vont chercher du cuivre et de l'étain, ils vendent ça ici à plusieurs bonhommes de la rue. Et ce sont eux qui ont été les plus menacés, hein, pour leur gagne-pain. Et à ce qui paraît, ils ont formé un comité maintenant et qui tâche de pouvoir rester. Hein. Est-ce que nous sommes toujours décidés à nous battre jusqu'au bout pour rester dans la Marolle? Oui. Merci. Y en a-t-il qui sont contre? Non. Sommes-nous d'accord pour continuer à envoyer des télégrammes de protestation au ministre aussi longtemps qu'il le faudra? Oui. S'il n'y a pas de décision définitive avant la fin août, est-on d'accord pour qu'au début du mois de septembre, on lance une pétition générale dans le quartier? Oui. Bon, eh bien, la fois passée, on vous a tout à fait parlé
l'âme du comité d'action, Jacques Van der Bist, vicaire de la paroisse des Minimes. Pardon, nous n'avons pas de bouteilles, mais que nous étions un tonneau. C'est pourtant pas difficile à comprendre, hein. Mais il y a des types qui comprennent rien. Et je lis, dans l'hebdomadaire là, dont Roger avait parlé, qu'il paraît qu'ici nous sommes des indécents, que nous vivons dans la misère, dans la poussière, dans l'inconfort, dans la crasse, dans la crasse de maisonnette branlante. Ça, vous ne saviez pas, hein? Mais lui, il le sait. Ah, heureusement. Alors, vous voyez, la seule chose de bonne dans le quartier qu'il a vue, c'est qu'on avait des vieilles habitudes et des petits métiers. Évidemment, nous, on ne construit pas des tours, hein, ni des parkings. Ça, c'est pas notre genre. Alors, ce sont des petits métiers. Des petits métiers, chiffonniers, ferrailleurs, brocanteurs, comme on dit dans la Marolle, des professions libérales. Ah, Georgette, ça va? Ça va, hein? Oui, François, madame. Oui? L'indigestion, ça, oui. Oui, le docteur va venir. Peut-être, M. Jean? L'indigestion, hein? Il y a de l'indigestion. Oui, je pense que ça va être ça. Sacré. Elles ont masqué de faire frites de gâte, non? Trop tard. C'est plus cher, oui, c'est mauvais, hein? Merci, Rosa. C'était nécessaire que ça aille. Oui, parce que j'ai encore du sang de mon courrier de la tournée. Hein, oui? Oh, ça, c'est sûr. Il y a trop de clients, hein? 30 clients. Trop de clients. Ça va bien. Tu as déjà vidé ta chambre? Oui, monsieur m'a aidé. Hein? De l'eau, un peu de ferraille, toutes sortes, hein? Un poste, toutes sortes. Un poste? Un petit poste. Si tu en as un qui marche, il y a Blanche qui a demandé un poste. Oui, mais je crois qu'il ne marche pas. Ah, il ne marche pas? Non. Je crois qu'il ne marche pas. Enfin, si je crois qu'il y a un... des boutons qui ne marchent pas. Enfin, ah, mais si ce n'est que des boutons. Bon, enfin, quand tu en trouves un. Oui, qui un normal. Et comme un ça, poil, hein, aussi, tu y penses. Un poil? Oui, un oui, poil oui. Pour Madeleine. Ah bon, ça va. Parce que là, un contenu famille. Ou un petit poil? Non, un feu. Un petit feu une comme cuisinière. Ça, une cuisinière. Oui, cuisinière. Ça va. Bon, allez. Ça va. Allez, c'est le week-end. Bonne journée. Merci. Tu viens ce soir? Je viens à 7h. À 7h, oui. Pierre, le chiffonnier, a été désigné comme délégué de rue pour la rue Montserrat parce que chacun a confiance en lui et qu'il connaît tout le monde. La force du quartier est dans ce dialogue permanent. Le mandat. Ah bon, ça va. Vous avez réagi vite, en somme. Ah, tout à fait vite. Tout à fait vite. On s'est souvenu de l'épitaphe de Texas Bill. Hein. Il dégaina, mais un peu tard. Hein. Alors, ici, nous avons dégainé, mais à temps. Je crois que c'est très important d'agir très rapidement, hein, de ne pas se laisser tout doucement embobiner et que le processus se développe, hein, parce que plus il est évidemment. Hein, plus il est avancé, plus il est difficile à arrêter. Alors le 7 juillet, on a demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'expropriation? Parce qu'alors nous avons une action à mener pour obtenir votre relogement dans des bonnes conditions, les allocations auxquelles vous avez droit, etc. Hein, c'est un premier type. Ou bien est-ce que vous voulez être relogé ensemble? C'est une autre. Hein. On transporte tout le quartier et on le met à Zoutenay. Ou, c'est pas moi. Hein. Bon, ça c'est encore une possibilité. Hein.
Ou bien est-ce qu'à votre avis, il est mieux de rester ici? Enfin, là, la réponse était tout à fait unanime. Hein? Je n'ai pris connaissance d'aucune, absolument, aucune opposition. Les gens disent, nous voulons rester ici. Enfin, c'était extrêmement simple. Nous voulons rester ici. Point à la ligne. C'était une procédure un peu bizarre de demander l'avis des gens, en somme, ça ne se fait plus. Ça, c'est évident. Ça, c'est tout à fait exact. On nous l'a d'ailleurs beaucoup reproché. Hein? Hein, pourquoi mêler la population à ça? Hein? Venez nous trouver, expliquez-nous vos problèmes. Hein? Et nous sommes tellement compréhensifs. Hein? Hein? Nous serions arrangés. Hein? Pourquoi faire tant de bruit là autour? Hein? Ça, on nous a reproché. Personnellement, non seulement personnellement, enfin le président, maître de Kaiser et absolument tout le monde, tous ceux qui ont quelques responsabilités d'animation ici dans le quartier, tout à fait d'accord, il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut dire, ils ont tellement l'habitude qu'on leur tape dessus et qu'ils n'ont aucune défense, qu'ils sont sans réponse devant les coups qu'on leur donne, que ces gens se disaient, ben, il faut partir. Ils étaient tous persuadés qu'il fallait partir, enfin, hein, tout en voulant tous rester ici. Mais ils se disaient, mon Drey s'ira jamais, enfin, nous sommes des pauvres, on est des petits, on est... Enfin, on ne nous considère pas, etc. Vous voyez un peu la ligne, hein, on n'a pas d'argent, hein, ce qui est le vice le plus fondamental dans notre société, hein, pas d'argent, donc, hein, on ne vaut rien. Alors, on va nous expulser, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on veut rester. Alors, au fond... Une bonne partie de notre travail a été de leur dire, mais si vous voulez rester, vous resterez. Nous vivons une société qui, au moins formellement, prétend à la démocratie. Oui. On a décidé de ne pas recevoir, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a pris toute une série de décisions. Hein. Là, il faudrait que je mette de quelques papiers, parce que... Oui. On a pris notamment l'opération vacances, c'est-à-dire que c'était notre première réaction... Hein. C'est de dire, voilà, très gentiment d'ailleurs, hein, absolument, ça, pas du tout avec des coups, mais de dire au moment où le commissaire se présente, voilà, on n'est pas là, quoi, on n'est pas là. Il est parti en vacances, hein, hélas, hier, il est parti, quoi. Ah, mais pas de chance, hein, vraiment pas de chance. Hein. Et de procéder comme ça systématiquement, de façon à ce que le commissaire se rende compte qu'il n'était pas tellement bien reçu, quoi. Oui, enfin... Les gens descendaient leur volet, c'est ça C'est ça, hein, on m'était absent, quoi. Et les voisins, par contre, étaient tous là, quoi. Et disaient, non, il est parti, quoi. Il est en vacances, c'est son droit, quoi, c'est le mois des vacances. Hein. Lui aussi doit se reposer, etc. Alors, ça, c'était une première. Hein. Alors, le placement d'affiches. Hein, de mettre des affiches... On a choisi ce slogan, non, hein, qui est évidemment, enfin, on peut nous reprocher, on n'a pas manqué de le faire, un peu infantile. Hein. Il y a un âge de la vie, on dit toujours non. Hein. Enfin, c'était la première attitude à prendre, quoi. Hein, non. Moi, j'ai 60, putain, je suis née Riolette. Ça, c'est peut-être. Et c'est pas parce qu'on est jeunes, on dit toujours, les jeunes, ils s'en foutent de tout. Ouais. Non, les on jeunes. On aime bien notre quartier, nous autres. Ils doivent faire comme nous autres, rester ici c'est et pas partir. Ça. Moi, je ne pars pas. On peut démolir la maison. Un bulldozer peut venir, on ne peut pas rentrer dedans. C'est pas monté.
Juillet, la résistance s'organise. Pour prouver qu'on est décidé à rester, le peintre Luitsch est chargé de repeindre les façades en commençant par la chapelle de Montserrat, la petite église du vicaire Van der Bist. Ça sert à rien, hein, puisqu'on va quand même démolir. Démolirons pas. Qu'est-ce que toi t'en penses, Jean? Non, non, ils vont pas démolir. Ils peuvent pas démolir. Non, hein. Non. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les Maroliens ici? Est-ce qu'ils vont les mettre? Oui. J'ai des agres, sans doute. Non, wow, bien, wow. Ça sent peu, ça sent trop. Faut compter tous les deux ans, hein. Je fais ça. Ils payent leurs marchandises. Alors, je fais ça pour rien, pour lui faire plaisir. Hein. La marchandise, il doit payer. Hein. Parce que vous êtes un bon catholique? Non, 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 au contraire. Je crois que Suzanne, c'est plus mauvais. Dans l'histoire. Mais ils m'aiment bien, ils ont mon souci. C'est un chic type. Il y a assez longtemps qu'il est ici aussi. Pour nous, c'est un Marolien. Hein. Il a notre mentalité. Alors, ouais. Car il est très large d'idées, hein, notre vicaire. C'est pour ça qu'on le respecte. C'est un curé, mais un bon curé, allez. Ouais, 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 ouais. C'est pas le curé calopin, hein, comme on dit. Oh non, c'est pas, mais c'est le contraire. C'est pas le curé calopin. Bon, et vous allez commencer à peindre la façade un peu partout dans le quartier maintenant, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai déjà deux, trois demandes, hein, puisqu'on a l'espoir de rester. Alors, les gens reprennent confiance. Hein. Surtout moi, je vis avec le quartier. Je travaille 6 mois dans le quartier par an, alors. Moi, c'est un peu ma façon de vivre. Hein. C'est vous, toi? C'est juste, c'est juste, c'est juste. Ah, ouais. Nous autres, on a notre fierté aussi. Hein. C'est pas parce que la façade est sale qu'à l'intérieur, chez nous, c'est pas propre. Hein. Parce que les gens ne sont pas pessimistes. Hein. Les gens disent que la lutte des ministres contre les citoyens, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Vous avez déjà entendu ça, hein, Louis? Oui, mais en général, c'est pas notre caractère. Hein. Nous autres, on est plutôt optimistes. Hein. On le prend toujours du bon côté. Hein. Du bon côté, de temps en temps, si ça va pas, eh bien on boit un petit coup et alors ça passe quand même. Hein. Tiens, bonjour. Oui. Ah, merci. Tiens. Merci. Santé, Antoine. Santé, Louis. De ma rôle. Les gens qui ne nous connaissent pas, ils trouvent qu'il y a beaucoup de défauts ici dans notre quartier. On raconte beaucoup de choses sur le quartier. Et puis il y a des gens qui ont peur d'y venir, hein, non? Mais nous autres, au contraire, on trouve qu'il ne faut pas avoir peur du tout. Et on y est fort bien. Parce que, donc c'est vrai qu'il y a des disputes. Jésus nous apprend alors à passer au-delà de cela pour quelque chose d'essentiel qui est de vivre ensemble, comme Pierre le disait tantôt. C'est ça qui est important, c'est d'apprendre à vivre ensemble et vivre de plus en plus ensemble et de mieux en mieux ensemble. Et de vivre les chrétiens au milieu des autres hommes. Et les chrétiens apportant ce qu'ils ont à apporter. Reçois, Père, ce pain et ce vin. Reçois notre sacrifice. Tu n'as pas eu la réponse, hein? Il va être étonné, monsieur de Zagre. Dans 15 jours, quand tout le bazar va être peint. On ne peut pas démolir, hein? On ne va pas le démolir, hein? On va se battre pour ça. C'est ce qu'on doit faire pour gagner sa vie, hein? Ah, ça va bien tourner, hein? Oui? On va rester, naturellement. On ne fait pas déménager, nous. On est marocains, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on va faire ailleurs?
On a son quartier depuis son enfance, hein, monsieur. On ne sait pas l'aménager. Vous croyez pas que vous seriez mieux dans des maisons modernes, non? Ah non, c'est beaucoup trop cher pour nous. Et ce n'est pas vieux ici, hein. Les maisons disent rien, mais à l'intérieur, c'est tout de même toujours propre. On est très bien ici, hein. Même les étrangers aiment de travailler ici. Marie! Yeah. Comme le qui on me fait, je Si tout suit comme ça, hein, si les gens font leur petit effort, hein, je pense que ça marchera bien. Et que les ministres seront compréhensifs. Hein. Ce qui est très nouveau ici, c'est un peu la mobilisation, on peut dire, ça, hein, des gens du quartier. La mobilisation, oui. Les gens se tiennent assez bien l'un près de l'autre. Hein. Ils aiment bien leur quartier, ils aiment bien leurs habitudes. Pourquoi ils doivent avoir ça ici, le palais? Pour mettre un morceau de papier dedans? Ah, non, hein. Pour ça, c'est pas déménager, hein, monsieur. Et il a laissé des bêtes et tout, qu'on doit vendre et tout ça. Ça, c'est pas possible, ça, hein. Quand on aime quelqu'un, on y reste. Vous avez des bêtes, oui? Oui, j'ai deux pinchères. J'ai la maman et j'ai le jeune. Et j'ai un petit chien que j'ai vendu ici à ma belle-sœur. Donc, j'ai pas besoin de déménager ici parce qu'ailleurs, par contre, on veut pas des enfants ni des bêtes. Où est-ce qu'on doit les mettre alors? Dans la maison moderne, vous croyez qu'on veut pas de chien? Non, ou... monsieur. Et pas d'enfants non plus? Non, parfois des enfants, parfois pas. Ça dépend, mais les bêtes, ça, on ne veut pas accepter, surtout quand on en a déjà deux. Et vous êtes votre mari en plus, hein? Ah oui, et trois enfants, monsieur. Les gens du quartier vous considèrent un peu comme un boss ici, un peu le roi des chiffonniers, allez. Oui. Un petit roi, hein? Un petit roi pas trop lourd. Mais enfin. Les gens ne sont pas tellement pauvres. On dit que ce sont tous des gens pauvres ici. Non, ils ne sont pas pauvres. Oh non, ils sont bien. On gagne bien sa vie pour ici. Ils gagnent leur vie, vive. Tous. On vit ici, c'est pour ça qu'on gagne sa vie, qu'on veut rester ici. Ce ne sont pas des gens pauvres, parce que, d'ailleurs, je vais vous dire, tous ceux qui font ce métier et tous ceux qui font la récupération ne sont pas des gens qui émergent de l'assistance publique. Ce sont des gens qui gagnent leur vie, qui partent le matin, reviennent le midi avec leur petite tournée, gagnent leur petite vie. C'est tout. Vous les connaissez bien ici, les gens vivent ensemble, ils s'entendent bien. Ils s'entendent très bien. Très bien. Ils se disputent un peu. Oui, mais ça, c'est comme partout, hein, la discussion, tout ça, hein. Vous êtes propriétaire, monsieur de Grec? Oui, je suis propriétaire. J'ai 5 immeubles ici, 3 fronts de rue, avec les magasins qui traversent, et qui viennent rue des prêtres, qui font donc un bloc de 9 heures. Oui. D'un certain côté, est-ce que ce ne serait pas votre intérêt de vendre? Au point de vue argent, disons. Peut-être bien, mais ça ne m'intéresse pas. Ceci a été construit par mes parents, et nous voulons garder ça. Et nous voulons rester en contact avec nos locataires, nos clients, qui sont des amis, quoi. Ça ne nous intéresse pas de vendre. Le reclassement de cet argent, il peut toujours très bien se faire, parce qu'en expropriation, c'est toujours bien payé. Mais moi, je n'ai pas de vieux immeubles, ce sont tous des immeubles très très bien. Tout le monde a l'eau, tout le monde a tout ce qu'il faut chez eux. Ils ont WC, ils ont eau, ils ont toutes les commodités. Hein. Et si les ministres veulent abattre les maisons, eh bien chez moi, c'est pas difficile. Je laisse mes meubles pour eux. Je prends 2 valises, ma télévision et mon chien dans le cou, et je suis parti. Et je vais chez eux habiter alors. Je vais demander s'ils ne veulent pas me loger, moi et mes 2 gosses. Oui, mais là tu ne seras pas content, c'est le sien. Ah ben, on ne sera pas content nulle part. C'est pas ton geste. Ah oui, mais on n'est pas content nulle part. Nous, on vit entre nous. Marie, nous, on est habitués sur notre marron. On est né ici, qu'est-ce que tu veux? Où on va être content? Car dans les grands quartiers, comme l'avenue Louise, les gens se cachent pour nous voir. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'on est trop beau pour eux. Parce qu'ils sont gênés de connaître quelqu'un. Bien, nous, on veut connaître tout le monde. Et on y restera ici. On n'ira pas n'importe où. Ils peuvent me mettre à la porte avec mes meubles, mais je resterai devant la porte avec mes meubles. Ah, toi, tu prends encore tes meubles avec? Ici, devant la porte. Ah non, moi pas. Tu veux quand même pas encore que je vais les donner au ministre, non? Ah oui, il va peut-être m'en payer des nouveaux, alors. Des nouveaux? Ah oui. Mais pour ça, ils sont un peu trop laborieux, hein, dit? Ils doivent déjà vivre de ce qu'ils ont. Et l'autre même dit qu'ils nous relogerait alors qu'ils nous donnent des meubles. Allez, fini, il y a le travail. Ah, ah.
Aïe, attention. Hé Allez, moi je vais travailler le midi et demi, hein. Je ne suis pas ministre, moi, hein. Un ministre, il commence à 11h et il finit à midi. Voilà. La charrette est bien chargée, ça, oui, oui. C'est dans la poquette, hein, Pat. Allez, tu peux décharger, tu sais, on va poser. Très bon, tiens. Pour le soir. Ah, pour la pompe. Oui. De toute façon, on a le restant du jour. Moi, je ne perds pas les yeux. Vous voulez pas d'appartement bon marché, les modernes? C'est bon marché, qui paye 3000 francs par mois, c'est ça. Il appelle ça bon marché. Vous serez mieux, là, hein? Oui, mais... Plus moderne, hein? Moi, j'ai tellement envie de passer, alors 3000 francs, où allez-vous? Plus moderne, hein? Oui, mais... Faut le faire, hein? Vous n'avez pas vu les beaux buildings qu'on construit? Eh bien, oui. Et quand ils construisent, ils disent toujours... Pour les gens, n'est-ce pas? Simple, n'est-ce pas? Alors, très bon marché, et une rue, n'est-ce pas? Vous pensez que loger pour 1500 francs, vous payez 3000 francs. Vous payez 3000 francs, c'est pas les essais. Vous payez combien, vous, monsieur? Moi, j'habite pour rien, moi. Ah ouais? Je paye 900... 1010 francs. J'ai un WC privé, j'ai mon parlophone, et j'ai trois pièces. J'ai trois belles chambres, et mon WC, et ma parlophone. Exactement, munitions compris, et l'eau compris. Je paye à peine 10 000... pas gros, excusez-moi. 1010 francs. 1010 francs. 1010 francs. Vous avez tout le confort, quoi. Et j'habite à côté du garage. À la rue Rennes, ici, dans le bas, ici. Il y a la pompe d'essence, n'est-ce pas? J'habite justement à côté, chez moi. Et j'ai payé à peine 1010 francs. Les gens... Oh, qui n'est pour rien. Mais les gens des ministères disent que ce sont des taudis. Venez voir chez moi, il y a 2 ans que ça tourne. Elle a été renouvelée. On a peint la cage d'escalier, on a mis des balatons, tout neuf. Vous venez voir chez moi si vous voulez. C'est presque fini, hein, la marole? Non? Vous voyez ça? Oui. C'est presque fini, qu'on a fait. Oui, quand tu dis, oui. On est vrai qu'on vient nous autres. On vient voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, bon, pas quand ils disent oui, c'est oui? Oui. Il n'y a rien à faire, vous croyez? Non. On est marolien, on reste à la marole, hein? À quoi que foire, dis-moi. Hé! C'est pas juste, bon, pas? Oui. Et il faut pas nous tuer, hein, pour nous mettre dehors. Mais il vient de dire qu'il n'y a rien à faire contre les ministres. Comment il n'y a rien à faire? Les ministres vont nous laisser ici, ils doivent. Ou c'est révolution ici. Oui, il y a l'accordéon, elle tout bas foutu le camp, hein. L'accordéon? Oui. Comment l'accordéon? Le monument, là. Ah, le monument, ah ouais. Oui. Le Prévenance, parti. Oui. Et le reste est encore parti aussi. Ouais. Non, mais ils vont pas nous enlever. Ou ça va avoir... Il va avoir la guerre ici, tu vas voir. Oui, ministre de Serre, on n'aura pas facile avec nous. Hein. Le bafon, il a aussi eu la guerre, hein. Oui, le bafon. Ouais. Attention, le bafon. Hey, nous autres, on n'est pas bafon, on est maroliens. Oui, mais tu te demandes de ménager. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, parler à l'hospice. Hein? Tu vas aller à l'hospice? Il y a 20 ans que je peux aller à l'hospice. Mais tu n'iras pas à l'hospice, hein? À cause de fort du menon. Ah, pour voilà. Crever. Ah. Tu restes chez nous autres, hein? Moi, je reste par ici. Voilà. Ouais. Et tu es né ici, tu vas mourir ici. Non, moi, je vais chez toi. Ça, c'est le vieux copain ici. L'homme le plus nerveux du quartier. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai? Non. Oh, presque pas. Mais... Où est-ce qu'ils réagissent pour les gens, comme ça, directement, devant la menace d'expropriation, avec les gosses dans leur travail, ils viennent vous trouver et disent « Bonneuse, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on devient ?» Ah oui, ben, ils ont reçu les lettres, je sais pas moi, c'était un... Ah, chef, bonjour. Ça va, chef? C'est le flic du quartier, ça. L'agent Knops. Oui. Enfin, ici, nous sommes dans un bel exemple d'urbanisme aussi. Oui, ceci est assez typique, hein. Ceci est assez typique. C'est une réalisation, enfin, vous le voyez là, 1870. Quand vous voyez un truc comme ceci, c'est construit, mais à jamais, quoi. Hein.
c'est solide, c'est... Si vous êtes déjà monté, ben vous apercevez, c'est du solide, quoi. Les types se sont dit, nous avons une idée de l'homme, c'est la seule bonne, elle est bonne à jamais. Les types n'ont qu'à tirer leur plan et à s'adapter à ce qu'on leur donne, quoi. Et c'est ce qu'on veut faire encore avec... Ah, c'est ça, c'est le conditionnement, hein. On met tous les types, hein. On a mesuré, l'homme, il a 1m70 ou 1m80, alors on lui donne une chambre à coucher qui a 1m80, enfin, hein, comme avec 40 cm pour passer à côté. Hein. Mais si moi ça me plaît pas, si moi j'aime bien d'avoir une statue du Laocoon, enfin dans ma chambre à coucher, ça on regrette beaucoup, évidemment. Ça c'est pas prévu, hein. Ça on regrette, hein. Y a rien à faire. Hein. Et si moi j'aime bien d'être au nord ou à l'est parce que j'aime bien de voir le soleil levant sur la ville, ça on regrette, hein. Ça tout le monde au sud. Hein. Monsieur l'abbé, qui est-ce qui décide finalement? Vous dites on. Eh bien c'est on. Jusqu'ici c'est on. Il y a personne qui prenne des décisions, hein. C'est tout à fait typique. Hein. Si vous interrogez séparément tous les partenaires d'une entreprise de logement social, hein, donc vous prenez d'abord l'architecte. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais je pourrais vous en citer. N'en citez pas. Oui, mais je pourrais vous en citer. Vous lui demandez, ben dites, écoutez, moi, ce plan que vous avez fait là pour tel endroit, ça me laisse rêveur. Oui, à moi aussi. Donc le type dit, moi aussi, je trouve. Vous allez trouver l'entrepreneur et vous lui dites, est-ce que vous croyez vraiment ces matériaux quand même, ça m'inquiète. Moi aussi, moi je suis encore plus inquiet que vous. Si vous allez trouver le type qui s'occupe de l'aménagement du territoire, et vous lui dites, oh, mais enfin, soyons sérieux, vous me fichez là 8 étages, enfin, juste à côté de telle bâtisse, enfin, qui est splendide, qui est une merveille, je pense bien, un endroit très déterminé. Hein. C'est une belle histoire et vous trouvez, mais qu'est-ce que ça va faire? Oh, il dit, c'est dégueulasse. Comme ça, absolument, on va trouver un type après l'autre, tous disent, c'est très mauvais. Tous, absolument tous. Nous ne voulions pas cela. Nous ne voulions pas ça, mais c'est vraiment typique, hein, le directeur de la société de construction, absolument tout le monde est d'accord que c'est une cochonnerie, mais ça se fait. On va faire des calicots, hein, d'accord? Damien. Ah oui, des calicots. Non, on peint tout autour, hein. Et pour montrer bien que nous voulons rester, hein, dans la Marolle, nous allons peindre la rue Montserrat tout autour et laisser le milieu au centre pour écrire les lettres après, hein. Le palais de justice. D'accord. Le palais de justice, mais vous arrangez à vous quatre. Le palais de justice d'un côté, la rue avec le marchand de Pierre qui vend des glaces, l'autre qui vend des fleurs, le troisième... Saint-Pierre, etc. D'accord? Le cordonnier, c'est ça, oui, c'est ça. Mais la plupart des gens ne savent pas lire ce que... Ah ben on va marquer « Ah où le ministre ?» Comme ça t'es content. Ah où le ministre, c'est déjà une idée ou quoi encore? C'est toutes des maisons que vous avez. Ouais, mais moi pas des paysages. Et un paysage, montre, ceci, qu'est-ce que c'est? Un nuage. Un nuage. Vous voyez pas bien? Je vois pas. Mais un nuage, c'est pas sur une maison. Je préfère que tu me l'expliques. Là, il y a un grand arbre, non? Oui. Ça, c'est un arbre. Très bien. Et où est-ce que moi je suis? Tu en t'as pas fait, t'étais par là, sinon on copie là. C'est juste. La difficulté consiste toujours à les faire réfléchir leur expérience. Comme à nous, d'ailleurs. Pour les adultes, c'est la même chose. Alors eux, ils savent le faire en dessinant. À mon avis, leurs dessins sont très explicatifs. Seulement, nous sommes tellement habitués, nous autres, à, comment dirais-je, à une espèce de vérité photographique et à des trucs tout à fait... mauvais, quoi. On ne sait plus lire ce qu'ils peignent. Mm-hmm. Il faut se laver les yeux. Mais quand ils vous disent qu'il faut mettre à où les ministres, ça c'est très clair. Ah oui, ça c'est très clair. Mais ça c'est bon, ils peuvent mettre ça à où les ministres. En somme, est-ce que la fameuse expropriation n'a pas un peu paradoxalement aidé la population du quartier à se trouver? Ah oui, c'est évident. Une âme, si j'ose employer ça. C'est ça, depuis quelques années, il y avait certainement sur le plan communautaire une baisse assez grande. Parce qu'il faut dire que l'effort d'ailleurs que nous menons ici,
depuis des années, et l'intégration, enfin si je puis dire, dans le vrai sens du mot, hein, l'intégration de la population à la société globale. Mais c'est ambigu, hein, une telle intégration peut être simplement sa réduction à la société de consommation, pointe à la ligne. Les types entrent dans la ville, mais sont complètement bouffés par cette ville. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait, enfin. Et alors maintenant, c'est une prise de conscience de valeurs propres. Qu'est-ce que vous voulez? L'effort fait par les maîtres de notre monde est de diviser tous les gens, hein, de façon à ce qu'on se trouve seul devant son poste de télévision. Et alors là, à partir de ce moment-là, on lui met dans le crâne absolument tout ce qu'il veut. Hein. Le gars lui fait une émission, quoi, choc, hein. On lui imprime, hein, qu'est-ce qui compte, c'est d'avoir un frigo, une salle de bain, enfin... Certes, une vagnole, la plus grande possible. Et un logement... et un logement, bien entendu, orienté au sud, avec des plafonds à 2,10 m, etc. Enfin, bon, le brôle... Pour finir, ça rentre dans le crâne des types, hein. À force de voir ça à longueur de journée, et puis il est tout seul, alors il sent très bien qu'on est en train de le rouler. Hein. Ça, tout le monde en est conscient. Hein, ça, ben, il sent très bien qu'on est en train de le rouler, mais il ne sait pas réagir parce qu'il est tout seul. Il est seul devant son appareil, il est seul devant un million, ici à Bruxelles. Moi, je suis seul devant un million. Enfin, je serais seul devant un million de types. Alors, ce qu'il y a ici, je crois, la force vraiment de notre quartier, c'est qu'on n'est pas seul devant un million. On n'est pas très nombreux, on est 1000. Mais enfin, il y a 1000 types qui tout à coup se disent, eh bien non, vraiment, l'avenir n'est pas de ce côté-là, la tour des pensions et... la tour Place Émile Van Der Velde et compagnie, tiens, pour nous, ça paraît pas le paradis, quoi. À partir du moment où vous êtes... où vous vous regroupez, vous vous laissez plus manipuler, dès lors, vous rentrez pas dans ce cycle parfait de producteur-consommateur. Qu'est-ce qu'on me demande à moi? Moi, comme curé, évidemment, je suis mis tout à fait sur le côté. Hein. Je suis le gars, on sait pas où me placer. Hein. Si vous regardez les trucs de Fourastier, il y a des listes pour tout le monde. Hein. Vous y êtes aussi, la télévision, tout y est. Les curés ont les mains avec les pompiers et la police. Triste compagnie, évidemment. Enfin, les pompiers, ça va encore. Pompiers spirituels, on peut encore imaginer. Mais la police, ça, alors, la police céleste, peut-être, j'en sais rien. Donc, alors, nous autres, on est très mal pris parce qu'on n'est ni producteur, ni consommateur, étant donné que, bon Dieu, on n'a pas tellement d'argent et on produit rien. Donc, ça, c'est, on est vraiment mal parti, quoi. Hein. Alors, on essaie de faire rentrer les gens absolument dans ce truc, hein, cette dimension réelle, hein, mais extrêmement étroite de ce qu'est une vie humaine, production, consommation. Alors ici, tout à coup, il y a des gens qui disent, au fond, la production, la consommation, ça ne nous intéresse pas tellement, vous voyez. Ça ne nous intéresse pas tellement. Alors, enfin, on est content, quoi, si on a, évidemment, un poste de télévision, on est content, quoi. Hein? Si le programme est bon, ça vaut mieux, quoi. Mais le but de la vie n'est pas d'être assis dans son fauteuil et regarder la télévision. J'aime aussi aller prendre ma chope au coin et bavarder avec mes copains et... Oui. Et alors, lorsque vos paroissiens disent cela... il crée une espèce de révolution, c'est extraordinaire. Ah oui. Moi, je crois, c'est ça qui est assez formidable, oui, c'est que simplement la vie ici est la contestation la plus radicale de la société. En somme, les ministres ont fait une grave erreur en s'attaquant à une communauté. Ben, je ne sais pas s'ils ont fait une grave erreur, heureusement qu'ils l'ont faite, enfin, parce qu'il est presque temps qu'ici à Bruxelles, on leur signale que vraiment le type d'urbanisme bureaucratique, on n'en veut pas. Hein, je suis persuadé que si on posait des questions aux gens, hein, mais j'entends sur des choses concrètes, hein, si on leur demandait leur avis sur des choses concrètes, hein, eh bien, ils seraient extrêmement étonnés de voir le résultat. Mais on ne les interroge pas. L'urbanisme, que se passe-t-il? Il est confidentiel. Il y a quelques types qui décident dans leur bureau, quelques promoteurs privés, enfin, hein, et quelques... Quelques enfin, amateurs bon, de parking. Quelques amateurs de parking, de tours, enfin bon, vous voyez, hein? Et donc ce sont ces types-là pour finir qui font tout. Hein? Alors si on demandait aux Bruxellois ce qu'ils en pensent, hein, réellement, enfin si on leur donnait, hein, et ça serait le devoir des hommes politiques de leur donner différents modèles, concrets j'entends, pas du vent, hein? Pas dire le Christ ou Marx ou Mao dit ceci. Hein? Allez, voyez.
Au mois d'août, après une série de démarches de délégués de quartier auprès des autorités compétentes, on apprend dans le quartier que l'on renoncerait à l'expropriation. La population reprend courage. Après les réunions de quartier, on va déposer des fleurs au monument aux morts de la Marolle. Voici encore l'agent de police Knops. Malheureusement, je dois être en... Ah oui ? Pardon ? Ben vous êtes beaucoup mieux comme ça. Ouais, ouais. C'est sûr, hein. On est tenu par le règlement, hein. Vous n'avez pas trop de problèmes avec toute cette agitation ici, non ? De grâce, ne me laissez pas passer, hein, comme ceci, hein. Je veux bien une fois faire un effort de me mettre en tenue, mais pas aujourd'hui, hein. Ah non, d'accord. Bon, coupe ça, hein. Oui, au revoir, monsieur l'agent Knops. Ouais. Je vais vous parler de ce parking. Mais je me disais, tout à l'heure, si on pouvait mettre quelques mètres carrés de sable pour vos gosses. Ben oui, mais regardez, armes. Ceci est un exemple typique, enfin. Ouais. Il y a quelques voitures, hein, qui sont ici. Nous avons demandé, on est allé voir les services de la ville de Bruxelles pour leur demander ce petit terrain pour en faire une plaine. Enfin, je pense au basketball, enfin, parce que les dimensions sont assez bonnes. Ou simplement une plainte de jeu, quoi, pour les gosses, hein. Impossible, hein, impossible. Et je crois que c'est simplement un effort d'imagination, quoi. Qu'un terrain qui est à l'assistance publique, je pense, puisse servir, enfin, à tout le monde, en dehors des heures, quoi. Hein. À 4 heures, à 5 heures, les médecins sont partis, hein. Est-ce que tout ça veut pas dire que le citoyen a démissionné, en somme? C'est un grand mot devant. Oui, moi, je crois que c'est droits. Ça. C'est pas ça le problème fondamental. Il faut réintéresser les gens à la chose publique, hein. Ils se sont désintéressés totalement parce qu'ils n'y comprenaient rien et qu'ils ont été grugés tout le temps. On est toujours grugés parce qu'il y a ces fameuses promesses électorales. Bon, ça, c'est un thème tellement connu. Mais je crois que c'est exactement le problème des idéologies, quoi. En fait, on ne propose jamais des modèles concrets aux gens, des choses concrètes. On ne leur demande pas. On leur propose des idées générales, enfin. Alors, les idées générales, il faut s'aimer les uns les autres, tout le monde est d'accord là-dessus. Qui est-ce qui va ici à Bruxelles prétendre qu'il faut se battre à coups de couteau? Vous n'en trouvez pas. Alors vous mettez ça, mais avec ça, vous n'avez rien dit. Si s'aimer les uns les autres, ça veut dire faire ici un terrain de basket pour les enfants, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se diviser. Ah, à ce moment-là, ils seront plus d'accord, vous comprenez? Ou bien ils seront d'accord, mais alors obligés de le faire. Et moi, je crois qu'on peut réintéresser les gens ici à la chose publique. On peut les réintéresser, mais à condition de se donner des choses concrètes. Et ça, en tout cas, on peut le faire dans le cadre communal, vous voyez. La démocratie est née en ville et l'égalité que les Grecs ont pour une fois déterminé, démocratie égale ville, eh bien, on peut la vérifier ici. L'apprentissage de la démocratie, c'est en ville. Vous dites que la démocratie est née en ville, mais on est occupé à la faire disparaître. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, tout simplement parce que, d'une part, il y a la démission des gens qui sont fatigués des idéologies, et ça, je les comprends drôlement, hein. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut dire que nous vivons une société bureaucratique de consommation. Enfin, moi, j'ai rien inventé, hein. Mais c'est quelque chose que tout le monde admet. Il y a l'administration et puis il y a les promoteurs privés, hein. Et ces gens ont fait main basse sur la ville. Enfin, il y a un film italien là, qui décrit ça très bien. Et si ça n'a pas toujours les conséquences tragiques qu'on montre dans ce film, en tout cas, c'est la réalité. Oui, main basse sur la ville, on pourrait y raconter quelques exemples. Peut-être il y a quelques blocs ici, pas celui de la Marolle où
où on a racheté des maisons une par une. Ah oui, par exemple, le bon système, hein, ça consiste à... on fait des sociétés bidons. Hein, et ces sociétés bidons, sous différents noms, hein, du Schnock et compagnie, hein, on rachète une petite maison ici, une autre petite maison là, une troisième petite maison là. Hein, et puis la société, allez, Van der Bist et compagnie, hein, a acheté une autre petite maison qui, par hasard, est juste à côté de la maison du Schnock. Mais enfin, ça, personne ne sait. Hein, et on rachète comme ça. Hein, et puis tout à coup, il se découvre qu'on a 51% hein, de toutes les maisons du bloc. Alors, utilité publique, crache tout le monde est mis dehors. Dans ce temps-là, tu te souviens pas que c'est toi qui l'as fabriqué. C'est bien, allez. Quel cuistot. Ah, il faut bien. Quand c'est travaille... les hommes qui... Ah oui. Sont le travail toute la journée, on va bien le faire. Hein. Bon, bon, allez, appétit. Bon appétit. Oui, bon appétit. Bon appétit. Ça a été ton ramassage aujourd'hui? Oui, ça va. Hein? Comme toujours. Hein? Tous les jours. Il y a des fidèles clients. Et qu'est-ce que tu penses à l'heure du communiqué? Oh, ça va bien. Hein? Oui, ça va. On est content. Bien. Hein? C'est à voir si on peut rester, parce que on ne sait jamais. Ils vont nous laisser un an ici et un an oui, après, nous après... laisser partir. Bon, c'est aussi pas d'avance. Hein? Ça, c'est certain. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Ah oui? Ah oui. Mais enfin, c'est déjà une bonne première marche de gagner. Quoi. Oui. C'est déjà le principal. Mais on habite trop près de Beauquartier. Hein? Alors c'est tentant. Ben oui. On va transformer ceci en une espèce de succursale de l'avenue Louise, là, ou de l'avenue des Nations. C'est pas espéré, parce hein, que... Des appartements pour arnaqueurs. Mais il y a encore des beaux bâtiments ici, quand les même. Les garçonniers. Il y a quand même ah, 17e siècle. Hein. Ben oui. 17e siècle, oui, c'est bien connu. Tous les bâtiments vont devenir des antiquaires. Ah oui. Mais ça a déjà commencé, hein. C'est formidable, hein. Formidable chambrette, par exemple. Oui. Hein. C'est un spécialiste de l'Antiquité. Ça, c'est colossal, mais colossal. Ben écoutez, tout, nous autres, on achète tous des antiquités. Hein? Ah oui, toi aussi, ah, tu en trouves. C'est sûr. Ah oui. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça à part? On vend chez l'antiquaire. Ah oui, tu vas chez un antiquaire et tu le revends. Mmh, hein? Un peu sablon, hein. Ah oui. Et tu ramasses avec tout le reste dans les... Oui, oui, c'est plus dans les mortuaires. Dans les mortuaires? Oui, dans les maisons où il y a quelqu'un de mort et la famille le vend. Hein. Ah oui, tout. Tu dois tout enlever et là-dedans, il y a des... Ah oui, là-dedans, il y a des histoires, là. Oui. L'antiquité, allez. Ah oui, c'est ça. Il y a du bon et du mauvais. Oui, ça, il y a parfois des choses qu'on doit jeter aussi. Hein. Ça, je parce que parfois, le bac, c'est... Le bien plein. Oui, ça je pense aussi. Et maintenant que vous avez gagné, on parle, monsieur Lavé, de rénover votre quartier. Ça veut dire que les gens ici vont être remplacés par des antiquaires, des Américains. C'est un type de rénovation, hein, qui a certainement, comment je crois ça que... C'est ça, oui. Les promoteurs ne vont pas laisser passer une si belle occasion. Hein. Ils vont nous offrir une rénovation en leur mode. Enfin, j'espère qu'on sera vigilant, quoi, parce qu'il y a rénovation et rénovation. Hein. La parole va trouver son malheureux. C'est ça. On va refaire. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, alors, comme rénovation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, justement, rénovation, ça veut tout dire. Ça veut dire renouveler. Ça veut tout dire. Ah non, la rénovation, pour certains, ça consiste à tout raser. Tu vois? Et alors, au milieu, on te met un splendide bâtiment. Hein, la salière, ici, c'est à peu près l'image. Hein, donc, voilà, ça, c'est rénovation. Parce que eux décident. Voilà. Nous autres, on n'a rien à dire. Enfin, maintenant, on a dit quelque chose. Oui. Hein, mais si eux le disent, tous les gens de la Maraude, on va les tuer. Oui. Alors, tous les gens de Maraude doivent être tués, alors. C'est ça qu'ils aimeraient bien, peut-être. Mais ils ont décidé de prendre ça ici, comme ça, c'était plus près. Hein? C'était plus près pour eux, hein. Ils nettoient leur cave. Ah, oui, ça. Je parlais de justice. Il y a assez de personnel pourtant. Sûrement. Ça est rénov. Ah oui, les caves sont immenses. Hein? Oui, mais elles sont humides. Vous avez déjà été là-dedans, monsieur? Oui, j'ai déjà été là-dedans. C'est comment, les caves? Racontez un peu comment c'est, les caves du palais de justice. Ah, c'est humide.
tout à fait délabré, hein, mais ils savent quand même rénover ça aussi. C'est tout à fait délabré. J'ai une fois été avec tes aides, là, hein. Ah, tu es allé te promener là dans le palais de justice avec tes aides? Ah oui. Et il y avait beaucoup de places vides, là. Quand même. Ah oui. Non, mais je crois que c'est quelque chose de très important, tu vois, parce que sinon on fait toujours le bonheur des gens malgré eux, hein. Et ici, ben mon Dieu, c'est les gens ont décidé de rester, quoi. Ah, ça c'est sûr. Ben, ils décident de rester, alors on essaie de faire passer ça. Mais on nous reproche, hein, quand on est allé là chez un des... un type important, quoi. Hein. Il nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu nous parler de ça gentiment, enfin? Mais tu vois bien, pour le petit jardin, par exemple, quand on est allé parler gentiment, on n'a rien dit du tout, hein. C'est tout de même assez curieux, il faut toujours taper sur la table pour avoir quelque chose, hein. Il faut marcher dans le sens de l'histoire avec un grand H. Et justement, le sens de l'histoire, c'est de se laisser faire. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de prendre sa vie en main et son sort en main. Et c'est qu'une communauté prenne conscience d'elle-même, elle ne se laisse pas faire et devienne ce qu'elle est. Ça, c'est le sens de l'histoire, me semble-t-il, hein? Mais pour les promoteurs, le sens de l'histoire avec un grand H, c'est de se laisser faire et se laisser mettre dans des boxes. Qu'on a une courte... Oui, ça, c'est pas notre chacun habitude, dans son hein? petit truc. On ah oui, mais c'est. Habitué, oui, ça, mais pour hein? eux, ça, c'est l'histoire. Oui, oui. Hein? Hein, je ne sais pas si tu as lu dans un périodique, là, bien informé, généralement bien informé, que. il disait quelque chose comme ceci, enfin, je ne me souviens pas par cœur, tu sais. Mais que les batailles qu'on gagnait, c'était les batailles qui allaient dans le sens de l'histoire. Je ne sais pas si tu as lu ça, enfin. Il disait ça. Hein? Il parlait aussi de maisonnettes branlantes. Bon, enfin. Mais il disait aussi ce qui. Hein? Les batailles qui se gagnent sont les batailles dans le sens de l'histoire. Eh bien, moi, je crois justement que notre bataille est dans le sens de l'histoire, parce qu'une communauté a pris conscience d'elle-même, hein, et a lutté pour sa survivance et a su imposer son point de vue. Tu vois. Début septembre, on confirme que le projet d'expropriation est abandonné. Les habitants de la Marolle organisent la grande, la très grande kermesse de la victoire. C'est la gagner tout à fait, gagner toute la bataille. Ça ne sert à rien de gagner une première victoire pour se faire battre un peu plus loin. Nous avons à faire attention à une espèce que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle le promoteur privé. Ça, c'est l'homme dangereux par excellence. Ce sont eux qui s'emparent de la ville pour faire devenir que cette ville soit en fait à leur service, pour se remplir les poches à notre compte, parce que la ville appartient à tout le monde. La ville n'appartient pas à un homme. Et ces hommes construisent n'importe où, n'importe quoi. Il y a déjà des projets sur notre quartier. Il n'est pas encore... On n'a pas encore acheté une seule maison. Hein. Déjà, il y a des projets.
des projets faramineux, hein? Des tours, bien entendu. En sous-sol, gare de triage, poste, cinéma, théâtre, tout ce que vous voulez, c'est déjà, on y pense déjà. Épilogue provisoire, à la mi-septembre, la population de la Marolle procède aux obsèques symboliques et solennelles de promoteurs, de son épouse fidèle, bureaucratie, et de leur enfant, expropriation. La guerre est finie. Peut-être.